L'idée nous est venue à un moment donné de se dire, bah, OK, on quitte la grande entreprise et on crée ensemble une agence qui également permette à l'entreprise de mettre sur le marché des produits et des matériaux qui correspondent aux attentes des clients. On voit maintenant un mouvement d'entrepreneurs conscients qui s'intéressent à ce qu'ils mettent sur le produit. À nous, quand on achète les produits, qu'on regarde et qu'on soit averti, qu'est-ce que j'achète, hein, puisque l'autre élément du fabricant, bah, c'est l'acheteur, c'est nous. En fait, il faut être aussi des acheteurs conscients. Cette notion d'évolution de la conscience, en fait, c'est la clé vraiment de la sortie par le haut de la crise en tant qu'espèce humaine que l'on traverse et qui prend différentes formes. La bonne nouvelle dans ce chaos et ce tumulte qu'on voit ou qu'on traverse tous plus ou moins, c'est que la conscience évolue. Même si c'est que le début, on sent qu'en fait que c'est la bonne direction. En agissant depuis cette conscience que tout est un, qu'on est une seule espèce humaine, et qu'il y en a qui sont perdus, et d'autres peut-être qui sont plus conscients, et pourquoi pas moi. On est tous potentiellement des héros et des héroïnes en fait capables de pouvoir changer la face du monde, parce qu'on crée le monde à notre image.